Bonjour, qu'allons-nous avoir comme message aujourd'hui? Allez, c'est parti. Alors, le jeu a été battu, bien entendu. Allez, quel est le message? Alors, ici, on nous parle de renoncement. Alors, effectivement, hein, nous sommes dans une période de chance, effectivement. On nous parle de renoncement ici, hein, de renoncer à tout ce qui ne résonne plus avec nous. C'est-à-dire, il peut y avoir des liens, des attachements, des dépendances. En tout cas, le message est de renoncer à quelque chose. Bien sûr, ça peut faire un petit peu de mal. Ça peut changer votre direction. Mais ici, on va vraiment nous parler de renoncement qui va vraiment vous porter chance. Mais oui. À un moment donné, vous êtes parti à la dérive. Donc, effectivement, hein, il est nécessaire de renoncer à certaines situations. Alors ici, on peut parler de relations aussi, de séparation, encore une fois. Hein, d'accord? Puisque rien ne se stabilise dans vos objectifs, dans vos projets. Hein. Mais on parle de guérison ici. Hein, donc, renoncer, alors renoncer aussi peut-être à des dépendances, des addictions ici. Un fonctionnement, une habitude. Alors, on parle ici de clairvoyance. Donc, effectivement, hein, vous êtes en guérison, guérison aussi de votre perception de qui vous êtes réellement. On parle ici aussi de protection, hein, sur tout ce qui va être magie noire. Bah oui, hein. Double protection ici, en plus, eh bien, peut-être renoncement aussi à des. Comment je pourrais dire? À des habitudes toxiques, hein, nocives pour vous ou contre les autres, voilà, un agissement peut-être un peu toxique pour les autres aussi. Hein. Ouais. Peut-être que certaines personnes ont pratiqué la magie noire ici. Vous êtes obligé quelque part d'arrêter puisque ça se retourne contre vous. Pour d'autres ici, vous êtes libéré, libéré d'attaques, libéré de troubles, de personnes aussi hein, qui pourraient vous empêcher de vous épanouir. Hein. D'accord? Avec la quête ici, eh bien, vous allez sur votre chemin, hein, sur vos objectifs de cœur. Ici, il y a une évolution, il y a une sortie comme une sortie de labyrinthe. Oui, vous reprenez votre pouvoir hein, suite à effectivement peut-être de la fragilité. Il y a eu effectivement un égarement. Pour moi, alors ce tirage, il est clair. Là, on a été empêché, hein, empêché d'avancer à cause de la magie noire. Des personnes ont fait de la magie noire sur vous. En tout cas, ici, on voit du renoncement. On voit que ça s'arrête, que les personnes aussi prennent conscience, hein, avec sagesse, qu'ils peuvent avoir le retour du bâton, hein, et c'est un retour à l'envoyeur. Donc ici, vous allez pouvoir tout simplement continuer à œuvrer sur votre parcours, sur votre chemin. Vous allez retrouver votre pouvoir et votre force intérieure. D'accord? Oui. Vous avez très certainement traversé la nuit noire de l'âme, hein, traversé des moments très compliqués, difficiles. On me parle aussi de certaines personnes ont été dans des grandes dépressions. Oui, dans l'enfermement. Hein. Pour certaines personnes, il y a eu aussi des emprisonnements. Oui, vous avez été empêché de travailler hein, ici. Voilà, et vous vous ouvrez, effectivement, il y a comme un nettoyage, une purification, et vous ouvrez, pardon, à de nouvelles opportunités. Voilà, vous acceptez la magie de la vie, vous accueillez les nouvelles possibilités. Ok, hein, et vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Voilà, le petit message. Ben, écoutez, effectivement. On parle de libération, hein, vous reprenez votre route,
Vous pouvez repartir à l'exploration du monde, de votre monde, d'accord? On va parler de libération ici. La chance, hein, la chance vous sourit. On parle de guérison, de guérison. Voilà. Écoutez, voyez si ça résonne avec vous. J'avais ce petit message à vous transmettre. Vous êtes protégé, hein, alors sortez des peurs concernant les attaques que vous avez pu avoir. Allez, on va prendre une autre. Voilà, hein, concernant les pertes que vous avez pu avoir, donc sortez de ces peurs-là. D'accord? Vous avez l'intelligence, en tout cas le cosmos aussi est présent pour vous. Hein, vous voyez clair, vous voyez au-delà des situations. Donc, on parle encore de chemin initiatique ici. Hein, et ben écoutez, mes belles âmes, moi je vous encourage vraiment à déployer vos ailes, à déployer votre potentiel, à vous éclater dans la vie et vraiment, eh bien, laisser le passé derrière vous, hein, et renoncer à toutes sortes d'attachements, renoncer aussi à toutes sortes de fausses croyances, hein. Comme je vous disais, si vous devez vous séparer, eh bien, séparez-vous, quittez quittez les relations, hein. Voilà, puisque ici, eh bien, effectivement, renoncement, eh bien, très certainement des fins d'engagement aussi ici. Voilà, donc peut-être qu'il est nécessaire d'acter, hein, une séparation pour vous libérer complètement comment dirais-je, pour vous éloigner, eh bien, quel est le mot, pour retrouver votre chemin et cesser de vous égarer. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.